Salut! Salut, Ben! Je me suis dit, mais c'est qui encore? Bonjour! Ben, j'ai encore un peu longtemps, je dis non! Albert, comment s'est développée en fait ta passion pour la cuisine? C'est une transmission de chefs où j'ai travaillé. Puis c'était des chefs de l'ancienne garde qui avaient encore vraiment la passion pour le métier, même à 60 ans. Et puis j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, à un petit gamin à 14-15 ans, j'ai dit, si eux, ils ont toujours le feu et la passion à 60 ans, ça veut dire que ça devrait être un magnifique métier. Après, on a commencé l'école hôtelière et là, ils vont un peu le métier comme un métier romantique, comme ils font sur la télé maintenant, malheureusement. Mais c'est un métier où on peut voyager dans le monde entier, on peut travailler où on veut. Mm-hmm. La cuisine ici, en Thaïlande, en Italie, ça reste la cuisine. C'est pas, on va rien inventer de nouveau là-bas ou ici. Donc on peut faire ce qu'on veut dans ce métier. C'est ça qui est magnifique. C'était quelqu'un de très avant-gardiste. C'était quelqu'un qui avait une vision autre que la cuisine classique. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a intrigué un peu chez lui. Donc, Est-ce que tu peux me raconter une journée type dans ton restaurant? Comment ça se passe la journée? Ben, on commence le matin, ça dépend un peu le travail, entre 8h et 9h le matin. On fait la mise en place, on mange vers 11h, 11h30. On fait un petit briefing avant le service, qu'est-ce qui se passe, qui vient. Est-ce qu'il y a des clients qu'on connaît, les préférences, les allergies, surtout maintenant des clients et les demandes spéciales. Après, on a à midi, on a le service jusqu'à 3h, 3h30. Ça dépend un peu où on est avec les menus. Si quelqu'un prend un menu ceinture, ben là, c'est 4h, 4h30 qu'on finit au plus tôt. Travailler, on recommence à 6h. On fait un petit break entre deux. Mm-hmm. On recommence à 6h. Même chose, mise en place pour le soir. Entre minuit et une heure, quelque chose comme ça. Donc. Albert, maintenant, on est dans ta cuisine. T'as une super cuisine. Tu nous fais confiance en fait pour la marque du four, qui est un très bon four. Puis je voudrais te poser la question, pourquoi t'as décidé sur l'inox? Puis quels sont les avantages que t'as avec le four? Pour nous, il y a plusieurs avantages. C'est que c'est un four à précision. Donc nous, on fait beaucoup de cuisson lente à température exacte. Mm-hmm. C'est pas une température à 10 degrés d'écart, c'est vraiment à 1, 2 degrés près. Maintenant, on a fait des tests récemment pour dessouffler. C'est un four qui maintient la température, même en demi-vitesse. On peut ouvrir, rajouter encore un soufflet, ça baisse pas. Pour moi, un des grands avantages aussi, c'est l'auto-nettoyage. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui est génial. On fait ça beaucoup plus souvent qu'un four traditionnel, que ma foi, on est stressé, c'est minuit, une heure, puis commencer à nettoyer, sprayer encore avec l'acide. Comme à l'époque, non. Comme à l'époque, non. C'est fini. Voilà, et puis ma foi, pendant 2-3 semaines, c'est la réalité. Tout le monde dit que non, mais c'est la réalité, on nettoie pas le four. Mm-hmm. Et ici, tac, on met le programme, auto-nettoyage, on ouvre le four, tout on nettoie un petit coup de patte dedans et tout est propre. Après, ce qui est très avantageux pour moi aussi, c'est une partie combi, donc vapeur et puis four traditionnel. Mm-hmm. Et tout ce qui est mode vapeur sous les 100 degrés. Oui. Donc on peut faire une cuisson des légumes à 95, à 90, vraiment comme on le souhaite. Ouais, la température. Tout à fait, ouais. Ouais. Bert, j'ai vu que tu avais un autre appareil de chez nous, c'est la cellule multifonction, ouais. La Neo. Ouais. Ça, c'est un produit. Tu peux me dire tes impressions que tu as avec la Neo, ce que ça t'a amené? Bah, pour nous, ça a amené un atout parce que on a. Moi je dis toujours que c'est le meilleur achat que j'ai fait dans toute la cuisine ici. Et ce n'est pas parce que vous êtes là. Mais pour moi, c'est quelque chose, on gagne énormément de temps avec ça. Mm-hmm. On fait des glaces, nous on fait les glaces minutes. Oui. On fait les glaces maison. Donc on fait un pot, on prépare un pot, on met dedans. Congélation rapide,
et c'est vraiment rapide. Mm-hmm. C'est 2 heures, 2 heures et demie, peau est figée. Sinon, là, on perd 24 heures plus ou moins avant qu'on peut utiliser la glace. Mm-hmm. Surtout avec le taux de sucre et tout ça qui est dedans, c'est très compliqué. Après, on a, comme j'ai expliqué, on a beaucoup de cuisson sous vide. La surgélation, tu utilises un peu? Ça, on utilise énormément. Moins 40. Ce qui est très important avec les cuissons sous vide, c'est la propreté. Mm-hmm. Et puis, de faire descendre au plus vite la température du cœur. Au niveau de l'hygiène après. Ouais, tout ça, à fait. Ouais. Mm-hmm. Si on n'a pas ça, on doit utiliser l'eau, les glaçons. On vit dans un temps économiquement déjà assez compliqué. Écologiquement aussi, surtout l'ancien garde-chef, ils ont utilisé beaucoup trop d'eau à l'époque pour refroidir les légumes ici. Ouais. Donc maintenant, on a un appareil comme ça, on sort, on laisse reposer 10 minutes pour baisser un peu la température pour ne pas choquer. Et puis on le fait refroidir rapidement dans la cellule et puis c'est une heure et demie maximum, c'est à 5 degrés au cœur. Donc nous, c'est un grand avantage. L'humidité, la chaleur. Pour nous, on prépare le pain. 2 heures plus tard, il est magnifiquement monté. Chut, au four. Et puis, c'est top. On gagne énormément de temps avec ça. C'est impressionnant.